protect your soul. Blindness creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
coupé. Voilà, il est plus coupé. Allez, salut tout le monde. Enfin, tout le monde. Re à ceux qui étaient là tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On se retrouve. On est mercredi déjà. Hein. On est mercredi, donc on se retrouve pour cette finale de la Gothic Division de la Global Clash Cup entre deux belles équipes. Entre les Two Late for Cyber et les Queen Walker. Le match qui va se dérouler en BO3. C'est-à-dire que l'équipe, pour gagner le match, devra remporter deux matchs. Pour remporter la finale. Donc, on va potentiellement avoir trois matchs ce soir. Et j'espère avoir trois matchs pour le spectacle. La première guerre a été lancée. La première attaque qui va arriver dans maintenant 6 minutes entre les deux équipes. On va en profiter pour aller voir les line-up. Et il y aura entre chaque match des commentaries en mode météo pour vous montrer comment ont été attaquées les bases et les villages. On espère qu'il y aura des perfs des deux côtés, hein, clairement. Allez les too late pour le coup. On espère que les too late vont nous faire honneur à notre petit drapeau tricolore et vont remporter cette Global Clash Cup. Et on va basculer tout de suite ici sur le jeu. Et on bascule, voilà, on est tout de suite ici sur... D'accord. Ah ok, d'accord. Hop, ça va aller mieux comme ça. Voilà, ça va aller mieux comme si... Ça va aller mieux comme si, ça va aller mieux comme ça. Dites-moi si vous voyez bien juste au-dessus les scores. Est-ce que c'est assez lisible pour vous au niveau des scores? N'hésitez pas à me le dire. Merci à AP123Killers pour ton follow. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. En tout cas, merci à tous d'être là. Et putain, on est 40. Il est minuit passé. On est là à peu près en live jusque, je pense. Ah, tout va dépendre. On va être au moins jusque 2h45, voire 2h30 du matin pour pouvoir suivre cette finale. Espérant quand même si je suis claqué, hein, je vous cache pas que là, mon lit m'appelle fortement. Mais voilà, on fait l'effort, on fait le sacrifice pour une équipe FR. J'espère sincèrement qu'ils vont vraiment s'imposer. Alors attendez, j'ai encore... Putain, mais qui c'est qui me ping encore à cette heure-là? Hop. Donc, on va avoir les line-up tout de suite avec, au niveau des Queen Walker, nous allons avoir Stars, Kazuma, Gaku, Yuta et Klaus. Et au niveau des Too Late, nous allons avoir Nathan, Agoz, Darkstar, Kairos et Nikita 2. De belles équipes. De très très belles équipes. Salut Kev. C'est pas toi pour une fois quoi, Marcus Repéton. En tout cas, on va avoir deux belles équipes, les Too Late qui sont bien. Par exemple, dans le tournoi Gemfo. Derrière, on a les Queen Walker. Hein, on les présente plus. Hein, multiples représentés au championnat du monde à maintes reprises, toujours classé, jamais vainqueur sur les championnats du monde, j'espère que... attendez, quittez pas. Putain, attendez, je suis pushing game? Non, sans déconner, j'étais même pas au courant. Putain, je suis pushing game. Waouh! J'avais même pas fait gaffe, putain, je suis pushing game. En tout cas, merci les CM, j'étais pas au courant. En tout cas, j'espère qu'on va vraiment vivre un très très beau match entre les deux équipes, hein, qu'on va avoir du très très beau spectacle, que les Too Late vont se montrer à la hauteur de cette finale et vont surtout se mettre au niveau de leur adversaire, hein, des Queen Walker. Donc je vous rappelais, pour ceux qui viennent d'arriver, à chaque intermède de match, vous aurez, alors si on a un in-game, on va désactiver les notifs. Et en tout cas, merci Sigurd pour ton sub-gift. Je vous disais, à chaque intermède de match, on aura des attaques en mode météo. Ceux qui ne connaissent pas le mode météo, vous allez le découvrir. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que ceux qui sont habitués à ma chaîne l'adorent. Et j'espère vraiment qu'on aura de belles attaques à commenter.
Côté Too Late, je ne suis pas inquiet. Écoutez, côté Kuhn Walker, je ne suis pas inquiet non plus. Donc, ça va donner du très, très beau spectacle. En tout cas, merci d'être là et merci, merci OCM. J'étais même pas au courant. Merci OCM pour l'in-game. Merci, merci, merci OCM pour l'in-game en FR. Franchement, ça fait plaisir. Je vais remercier Rouletabi tout de suite. Et je vais remercier les CM. Que je ne le savais pas. Moi, j'étais là pour caster la finale, pour vous proposer du beau spectacle. Et au final, bah, voilà, on va se retrouver avec un in-game. On est plus gros à Too Late. C'est-à-dire, Sigurd. C'est-à-dire, c'est vrai que si on doit comparer en poids, je pense que comparé à Kuhn Walker, ils font pas le poids. C'est le cas de leur dire. Vous devriez leur rouler dessus. Quand j'ai vu les concours là, ça parle d'un an de tacos, etc., etc. Sur le chat. Franchement, ça m'a fait marrer en fait. Ça m'a fait marrer, mais en tout cas, merci à tous d'être là. Merci d'être là. Il est déjà minuit et quart. On est mercredi. On va suivre un très, très beau match. La première attaque qui va arriver maintenant dans à peu près une petite minute. Ce sont les Kuhn Walker qui vont ouvrir le bal dans ce match. Les Kuhn Walker qui vont donner le là sur cette première manche de la finale de la GCC, la Gothic Division. Les Too Late qui se sont bien sortis de ce, puisqu'ils sont en finale, ils ont vraiment eu de belles performances. Et là, on va voir ce que ça va donner face au Kuhn Walker. Alors, je me souviens plus du cash prize, pardon. J'ai un doute sur le cash prize. Ça, c'est clair qu'au poids, vous les mangez, en tout cas, je pense. Par contre, il faut que je retire un truc. Il faut que je retire le chat réservé en follower en 10 minutes. Hop, voilà. Voilà, le chat réservé aux followers a dit... Et maintenant, avec le cooldown de 10 minutes, est maintenant retiré. Et on va pouvoir suivre la première attaque maintenant, puisque le joueur des Kuhn Walker est en droit d'attaquer, puisqu'il y a un time, je crois, il y a une tolérance de plus ou moins 30 secondes sur le timer. Salut Luno et bienvenue. Salut Justiny. Ah, c'est 37 le timing, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Allez, on est parti. C'est Stars qui ouvre le bal pour les Kuhn Walker sur la base d'Agoz. Agoz, très très bon, très très bon builder FR. Hein. Agoz qui fait vraiment de très très bons builds. Il connaît beaucoup les joueurs internationaux, donc je pense qu'il a pu, créer des bases anti-joueurs. Alors là, Stars qui va nous faire un Blizzard Lalo, le joueur des... Le joueur des Kuhn Walker. Allez, on a le... Ouh, le Dyson. Justement, le Dyson. Le Dyson qui est bien placé là pour Agoz. Ouais, le Dyson qui va empêcher le Blimp d'aller, je pense, plus loin que ce que pensait Stars, hein, clairement. Parce que là, je pense que le Blimp, il devait au moins venir ici jusqu'à la Scatter. Du coup, le Blimp qui a fait 5%, on a quasiment un Blimp qui a coûté les super sorciers, qui a coûté 2 invis. Allez, du coup, on a Stars qui se lance maintenant avec le Suicide Hero pour aller chercher la reine pour le joueur des Kuhn Walker. On a la reine qui va coulisser. Pour l'instant, une reine qui est très, très safe. On a continué d'envoyer le clean avec un bébé dragon, le roi, le golem de glace qui vient d'être envoyé maintenant pour tanker. Malheureusement, on a la reine qui est déjà sous l'aggro de la... De la TDE multi, le premier, le deuxième, l'avant-dernier sort d'un vie qui vient d'être mis pour le joueur des Kuhn Walker. La reine défensive qui va tomber dans quelques secondes. Allez, la licorne qui va passer à trépas. On re-invie la reine pour qu'elle puisse continuer son aventure. La capa qui n'a pas encore été activée pour le joueur des Kuhn Walker. C'est chose faite maintenant. Allez, la multi qui tombe. La mono qui est, elle, en train de cramer le Lassie, la championne qui fait son travail en faisant tomber l'aigle artilleur. Le Lalo qui vient d'être envoyé pour le joueur des Kuhn Walker. On envoie le sort de gel pour que la championne puisse aller chercher justement cette TDE mono et va se rapprocher de l'HDV. On envoie des loons. Les loons qui sont en train de se splitter. Ça, c'est une bonne chose hein, pour Stars. Allez, la Kappa Warden qui vient d'être envoyée pour le joueur des Kuhn Walker. L'HDV qui va tomber.
Ah, ça avance plus, ça avance, mais maintenant ça ralentit beaucoup avec le sort de poison qui a fait très très mal. 67%, on a toujours la capa championne pour le coup. Le sort de gel qui vient d'être mis sur la scatter, le Lalo qui continue d'avancer. Par contre, on a toujours deux scatters. Hein. Encore une scatter qui vient d'être gelée à l'instant. On a la championne qui est Tier Life. On refrise encore la dernière scatter restante. On n'a plus beaucoup de ballons. Et il va quand même aller chercher le perf, Stars. Hein. Il va quand même aller chercher le perf sur cette base, de, sur cette base d'Agoz. Même si le blimp, je pense, n'a pas été là où il a voulu, il a quand même été chercher ce 3 étoiles sur la base d'Agoz. Avec, ouais, bon, je vais pas dire que c'est nimp, je vais pas dire que c'est nimp, Nico, mais waouh, waouh, parce que, enfin, moi, je le voyais un blizzard à 5%. Il a fait un blizzard à 5%. 5 petits pourcents. Et il va quand même raser la base. Il perf avec blimp éclaté, je vais arrêter COC. C'est clair. C'est clair, il perf avec un blimp éclaté, quoi. Enfin, éclaté. Ouais, c'est propre. C'est beau. Hop. Merci Benoît. Je vais mettre Modo. Allez, on a l'attaque suivante qui se déclenche. On va pas perdre de temps. Pour l'instant, on a cette belle attaque. Hein. Allez voir parce que franchement, avec son blimp entre guillemets, son blimp éclaté, il va quand même mettre une fessée à Agoz. Et on est parti avec Agoz qui nous fait un Skelly Lalo. Allez, le Skelly Lalo pour Agoz avec les bats qui ne vont pas faire tomber la TDE multi. La TDE multi qui tombe pas. Mais on a été chercher quand même le CDC défensif pour le joueur des Too Late for Cyber. Allez, la cata d'esprit qui vient d'être envoyée pour aller chercher le TH. L'arène qui vient d'être envoyée au niveau de 3 heures. Un golem de glace pour commencer à tanker les défenses. Le roi qui est en train d'aller chercher la scatter dans le compartiment. La capa du roi qui vient d'être mis à l'instant. On a tous les pièges skull en sol pour le joueur des Queen Walker pour la base de Utah. Le golem de glace qui vient de pop à l'instant. Allez, la championne qui continue son travail. Le Lalo qui vient de partir pour Agoz. Agoz qui a énormément confiance en sa cata d'esprit. La capa de la reine qui vient d'être activée. L'invi qui a été mis sur la reine. La capa du Warden qui a toujours pas été activée. Pour le joueur des Toilettes for Cyber. Je vous rappelle hein, que les Queen Walker ont réalisé le perf sur la première attaque. Allez, la multi qui dépop pas. Les multi qui ne dépop pas pour le joueur des Too Late. La partie Lalo qui continue. Il nous reste deux sorts de gel hein, pour le joueur des Too Late. Ouais, ça me paraît compliqué d'aller chercher le 3 étoiles avec ce qui reste comme Looning. En plus, on est face propu. Il reste la reine défensive. On regèle de nouveau le propu pour le joueur des Too Late. Mais malheureusement, ça va pas passer pour le 3 étoiles. Ah, ça va pas passer, il va rester cette multi là qui est full life, la cata d'esprit qui est encore en vie. Il reste pourtant, il est large en temps, hein, le joueur des Too Late. En plus, on a manque de bol, on a ici le CDD qui passe dans le poison de l'HDV. Ah, ça va aller chercher un gros pourcentage, hein, on va être sur un gros pourcentage, mais malheureusement, ça passera pas pour Agoz. On va être sur un 97%. Et puis là, on a toutes les petites bombinettes là, qui sont en train de faire un dégât de dingue. Ouais, dommage, le 97% pour Agoz là, sur la base de Utah. Dommage, cette multi qui n'est pas tombée avec le Skelly, en fait. C'est ça qui lui fait mal sur son attaque à Agoz. C'est ce Skelly qui ne fait pas tomber cette TDE multi qui était prévue de tomber dans le Skelly, mais qui ne tombe pas. Ça n'est pas tombé. Et malheureusement, pour l'instant, les Queen Walker qui prennent l'avantage d'une étoile sur ce match face au Too Late for Cyber. Et en effet, hein, on est sur le premier hit. Les Queen Walker peuvent très bien ne pas fermer de base. Les Too Late peuvent maintenant claquer 4 perfs. Rien n'est fait sur cette attaque.
rien n'est fait. Absolument rien. Et merci pour vos follow. J'ai pas les notifs, hein. Vu qu'on a un in-game, j'ai pas les notifs. Mais merci à tous pour vos follow en tout cas. Salut mon Ced, comment tu vas mon Ced? Salut mon Ced, et donc merci à JL, à Mascoco, à Firewind, Jordux, à Youp TV, merci à tous pour vos follow, merci beaucoup. Et on est parti avec l'attaque de Gaku. Allez, Gaku qui devrait aussi nous faire une très très belle attaque pour le joueur des Queen Walker. Et on va partir sur un Queen Charge Lalo pour le joueur des Queen Walker, Stéphanie. Allez, la cata d'esprit qui est en train de sécuriser le premier petit compartiment là, ce qui va permettre à la reine de partir maintenant sur le sud du village. On va venir chercher la reine défensive, le gobelin furtif qui est mis ici. Pour permettre à la reine justement de rentrer dans ce compartiment avec la TDE multi, l'ouverture super sapeur très très bien faite. On déclenche le Dyson du coup pour le joueur des Queen Walker. On essaye de dépop. Allez, les ballons qui vont aller peut-être jusqu'au mortier ou pas, mais le mortier qui est pour l'instant pas problématique, hein, pour la cata d'esprit, puisqu'on a la reine qui est en train de le dépop. Allez, cette cata d'esprit qui est en train d'avancer. Le CDC défensif qui est en train de sortir pour le joueur des Queen Walker. Le sort de poison qui vient d'être mis. Voilà, la reine qui peut être en sueur là pour le joueur, même si là le sort de rage qui fait du bien. Oh mais cette reine qui est en train de faire un superbe travail. Le roi qui a été envoyé dans le compartiment de l'aigle artilleur pour aller chercher le roi défensif. On a la championne qui continue. La reine qui va dépop l'Arkix. On a toujours la cata d'esprit qui travaille. Il la pop, il me semble. Il la dépop, la cata. En plus, il est en train de freeze cette scatter pour permettre à la reine de ne pas perdre ses guérisseuses. Voilà, maintenant, la deuxième scatter qui va être dépop. La première scatter qui va être dépop. On a le CDD qui est en train de travailler. Le sort de gel sur l'HDV pour Gaku. La capa du Warden qui va être clippée maintenant. On met un sort de rage pour que les ballons s'extirpent le plus rapidement possible du sort de poison de l'hôtel de ville. Et là, c'est clair, net, sans bavure et sans appel. C'est un 3 étoiles pour le joueur des Queen Walker. Il n'y a même pas photo vu le temps qui reste, vu le nombre de troupes qui restent. Il vient de rincer la base de Nathan. Et le troll du sort d'invi, c'est cadeau. Le troll du sort d'invi, c'est cadeau pour Gaku. Deuxième perf pour les Queen Walker. Là, par contre, les Too Late qui vont commencer à monter un petit peu en pression. Hein, parce que là, deux perfs sur deux attaques. Attention. Salut Olivier. Ben, la preuve, Natkin, cette base, elle est très bien pour un Queen Charge Lalo, en fait. Salut Asie. Ah non mais c'est clair, là sur le Lalo, là, il... 22 specs à Too Late, 2 specs chez Queen Walker. Mais c'est clair, sur la cata, il a un réflexe de dingue de geler la cata. Mais le joueur, dans sa strat, il le savait qu'à un moment donné, la scatter allait focus les guérisseuses. Et que forcément, il lui fallait du freeze pour justement permettre à la reine de continuer, de ne pas perdre son queen charge. Donc, ouais, mais en tout cas, pour l'instant, on a un sacré match entre ces deux équipes. Les Queen Walker qui sont dans la place. Hein. Ils sont là, ils font le travail, ils font le café. Ils font le café. Deux attaques de perf. Un malheureux 96 ou 97%, si je dis pas de bêtises, pour Agos. Et on a maintenant Darkstar, le monstre Darkstar qui se lance. Darkstar, très très bon joueur, qui se lance sur la base de Gaku, justement. Et on va être sur un Blizzard Lalo pour le joueur des Too Late. Allez, le Blizzard qui va dépop assez loin de l'HDV, mais ça va permettre de venir chercher cette scatter. On va venir chercher la reine, je pense. Il décale ses invis pour venir chercher la championne. Autant pour moi. Aïe. Là, ça a pris des pièges, mais c'est pas dramatique pour le joueur. Le CDC défensif qui vient de sortir pour Darkstar.
Allez, la reine qui vient d'être envoyée, le sort de poison qui vient d'être mis à l'instant, le super loon qui a perdu sa capa, la super gargouille qui va la perdre dans quelques secondes, qui est en train de s'occuper du ballon et qui va maintenant se rapprocher de la reine, le super loon qui est en train de tomber, le clean qui a été très très bien fait, ce qui fait que maintenant, la reine va pouvoir coulisser dans le compartiment de l'HDV pour le joueur des Too Late for Cyber. Allez, le gobelin furtif qui vient d'être envoyé ici pour dépop l'extracteur. Le géant pour tanker la tour d'archer en mode rapide. Le roi qui va faire son clean. Les gobelins furtifs qui continuent le travail. Donc là, on veut faire coulisser le roi dans le compartiment du TH. Et la reine qui va s'engager dans le couloir là, selon toute vraisemblance. La reine, voilà, la reine qui maintenant va faire le move dans le compartiment de l'Arkix de la TDE mono. La capa du roi qui vient d'être envoyée, la reine qui est pour l'instant toujours safe. Et la surprise d'avoir un super loon qui sort et une super gargouille supplémentaire pour le joueur des Too Late. La mono qui a été très très vite neutralisée par Darkstar. Il faut que la super gargouille tombe, la super gargouille est tombée. C'est une bonne chose pour le joueur des Too Late. On envoie maintenant la partie Lalo de 8h à 6h. Allez, le premier freeze sur la TDE multi pour préserver la capa Warden le plus tard possible. La capa qui va être clippée maintenant, surtout pour protéger là les HH qui viennent chercher la reine défensive. On a le propu qui est un petit peu problématique et je pense que c'est ce qu'il voulait venir potentiellement chercher avec sa reine. La championne qui est venue s'en occuper. Le Lalo qui continue d'avancer. Le dernier Molosse qui est en train d'aller chercher la dernière anti-aérienne. Malheureusement, on a la TDE mono, le multi qui n'est pas dépop. Elle vient être dépop à l'instant par la championne. Allez, il va aller chercher le 3 étoiles, 39 secondes, le joueur des Too Late. Ouais, par contre, il y a beaucoup de clean à faire. Il y a beaucoup de clean à faire là pour le joueur des Too Late. Alors certes, il ne reste plus beaucoup de défense, mais on n'a plus beaucoup de ballons. On va avoir le roi qui va demander du temps ici pour être dépop si les troupes arrivent dessus. Toutes les troupes ont été envoyées. Il reste 18 secondes, il reste 8% à aller chercher. Ou attention, ça va être compliqué pour le joueur des Too Late. Ça sent le 99% malheureusement parce que là maintenant les troupes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir chercher le roi ici. Il reste 6 secondes. Ouah, la bombe noire, le 99% pour le joueur des Too Late. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est too late, c'est trop tard. Ah, mais là clairement, il n'y a pas de réussite pour les... Enfin, ok. Les Kunwalkers sont à leur niveau. Voilà. Ils font ce qu'il y a à faire, ils sont à leur niveau. Les too late, clairement, sur leurs deux premières attaques, ils n'ont pas, comme on dit dans le jargon, de chat. Ils n'ont pas de chat, ils n'ont pas de réussite, les joueurs des Kunwalker sur cette attaque. Ils n'ont vraiment pas de chance. Parce que là, elle doit passer l'attaque. Elle doit passer l'attaque de Darkstar. Et là, on a. Alors là, c'est un troisième monstre qui se lance, c'est Klaus. Donc Klaus, maintenant, je pense que Klaus, là, sur la base de Kairos, du chef des Too Late, je pense que là, il est en train de se dire, bon, allez, l'objectif, c'est de troll combien de sorts. Je pense que c'est ça. Allez, le Scully qui va partir pour le joueur des Queen Walker. On envoie un sort de bat. On met les invis, il y a les sorts de Skull. Pour l'instant, la TDE multi qui fait le poids, mais qui va tomber. Allez, une multi, un CDC qui vient de tomber pour le joueur des Queen Walker. On fait partir la partie Suicidero à 9h. Avec un golem pour tanker. Allez, la reine qui vient d'être envoyée. Comment il va dépop? Je pense qu'on va envoyer le Yeti par ici pour permettre à la reine de rentrer. C'est exactement ça. Le Yeti qui vient d'être envoyé pour dépop la tour d'archer et dépop le canon. La championne qui fait le travail. Le roi qui a été envoyé pour aller chercher le compartiment de la scatter. Même si là, malheureusement, le roi est un petit peu en sueur avec tous les pièges Skull.
Allez, le Yeti qui a bien tout des pop, la reine qui va rentrer dans le compartiment de l'HGV, la championne qui va se faire cramer. Là, par contre, attention, Klaus. Voilà, la capa de la championne qui vient d'être envoyée avec le sang d'un vie, ça fait tomber la mono. La championne défensive, par contre, qui est toujours pas tombée, qui va tomber à l'instant pour le joueur des Queen Walker. On dépeuple Dyson. La capa de la reine qui vient d'être envoyée à l'instant. Et le Lalo qui part. Là, par contre, le Lalo, il a une autoroute, le joueur des Queen Walker. Même si là, normalement, ce compartiment-là, il aurait dû être dépop par le roi. Hein, pour le joueur des Queen Walker. Du coup, on a sacrifié quelques ballons au départ pour aller le clean. Et un sort de gel. Du coup, il a encore son blimp. Il envoie le blimp maintenant. Le blimp qui va venir ici jusque la TDE multi. La capa Warden qui vient d'être envoyée. Bon, bref, je vous annonce ces 3 étoiles. Hein. Je vous annonce ces 3 étoiles pour le joueur des Queen Walker. Regardez la quantité de ballons qui lui reste. Bon, par contre, il va pas troll de sort, hein, par contre. Hein. Il va pas troll de sort, mais là, il est en train de faire une attaque. Regardez la quantité de ballons qui peut rester à Klaus, même si là, c'est en train de fondre un petit peu comme neige au soleil, mais... Ouais. C'est beau, hein. C'est beau, quand même, ce genre d'attaque. C'est beau, moi, je dis. C'est tellement beau à regarder. Un Lalo comme ça, c'est tellement facile, en fait. C'est tellement facile. Waouh! Ouais, bon. Ok. Propre. Très propre. Franchement, voilà, what else? Que rajouter de plus à ces attaques? Dites-moi. Le mec anticipe les bêtes avec une solution derrière pour perf. Mais les mecs, ils ont des strats, des anti-strats, des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. Enfin, ils ont tout prévu sur le village. Tout. Heinrich, coucou petit, je viens de finir tes vidéos sur la Kezo. Un pur régal ton cast et je tombe sur ton live là. C'est quoi cette cup? C'est la Global Clash Cup. C'est une compète e-sport. Alors, à la base, gérée par un FR, Rouletabi, mais qui est maintenant très très ouvert à l'international avec de grosses équipes. Et là, on a la finale entre les Too Late for Cyber, équipe française, face au Queen Walker Stéphanie. Allez, Nikita qui se lance avec un Queen Charge Lalo pour le joueur des Too Late for Cyber. Allez, on fait la petite ouverture, l'ouverture sapeur. Là, la reine qui va faire le move pour venir chercher l'anti-aérienne. On met le roi ici pour continuer de dépop. La reine qui va maintenant pouvoir s'avancer dans le corps du village. Le sort de rage qui vient d'être mis à l'instant pour protéger la reine des coups de la scatter. La reine qui fait le bon move pour venir dans le compartiment de la scatter shot. La capa du roi qui vient d'être envoyée à l'instant, ça va venir chercher la reine défensive. La deuxième ouverture super sapeur, la deuxième open CB qui est juste exceptionnelle, qui va venir permettre de chercher le compartiment du TH. On envoie le clean avec quelques sorciers là-bas. Le roi qui fait un petit rollback là, qui va dans le labyrinthe. On dépop la tour d'archer pour éviter que le roi ne recule de trop. Enfin, un peu tard, dommage. Le roi qui va pas venir chercher ici la statue du Warden, la QH qui continue de progresser. Troisième ouverture super sapeur pour le joueur, l'Open CB. Attention, la reine qui se retrouve maintenant dans l'aggro de la mono. Le sort d'Avi qui a peut-être été mis un peu tard. Non, c'est bon. La reine qui fait le rollback pour venir chercher l'HDV, le TH. On a encore deux sorts de gel. Va falloir la geler. Voilà. La mono qui va être gelée. La championne qui vient d'être envoyée. Le Lalo qui part à 6h. Pour le joueur des Too Late, on a perdu pas mal de guérisseuses. Les guérisseuses qui sont en bout de vie. Allez, la championne qui perd du temps avec le piégeux skull. Il n'y a plus de guérisseuse pour le joueur des Too Late. La capa championne qui vient d'être envoyée. La TDE multi qui tombe seulement maintenant. Sa reine offensive qui vient de tomber. Le broyeur de pierre qui est en train de faire le travail. Mais qui malheureusement va pas sur la scatter. Le broyeur de pierre, il va jamais sur le bâtiment défensif que l'on souhaite. Allez, les Headhunters qui vont venir chercher un tout petit peu là, qui vont faire tomber la championne. Le Lalo qui est en train de se resserrer et qui va se desserrer maintenant. On a Freeze l'Aigle-Artilleur. On n'a plus de championne pour le joueur des Too Late. On a toujours la championne pour le joueur des Too Late. Et ça va être le premier perf pour les Too Late sur cette attaque.
Allez, on envoie les dernières troupes de clean. Enfin de la réussite sur l'attaque des too late là, puisque ça va passer pour Nikita. Allez, Nikita qui permet de maintenir l'espoir. Hein. Rien n'est fait. Rien n'est fait pour les too late. J'ai pas regardé ce que donnait la prédit, tiens. La prédit donne... Oula ! Ouh, Oulala, les too late, là, la prédit, 45 000 points pour les too late, 16 000 pour les Queen Walker. Mais en tout cas, très, très jolie perf de Nikita. Très, très propre. Ce que je vous propose, c'est que pendant l'intermède, on va avoir 13 minutes d'attente pour attendre le deuxième match. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un commentary en mode météo sur une base, sur une attaque des Queen Walker et sur une attaque des Too Late pour regarder les deux équipes. Par contre, vous êtes insane. Hein. Alors, malgré l'in-game et grâce à l'in-game, mais il est quand même 0, il est minuit 40 et vous êtes 310 sur le live. Ouais, surtout commenter l'attaque de Klaus. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Boum, il joue pas. Ah. Oh. Si je prononce comme je veux. Il me semble qu'on dit Klaus, hein. En allemand. Salut SMI. Ah ouais, j'ai dit bum. Allez, Utah qui attaque. Bah ouais, il est fort, elle sait. Qui c'est qui a pris ban? Ah, c'est Koisan. Bah ouais, qui a t'émote. Salut Lilian. Allez, on est parti avec l'attaque de Utah qui va nous faire aussi un queen charge. Un queen charge Lalo. Allez, le lance-bûche qui a été envoyé pour aller chercher cet aigle artilleur qui va être bien affaibli par le lance-bûche. Allez, le lance-bûche qui fait le travail, qui va en plus va ouvrir tout le compartiment. L'ouverture ici, super sapeur, la reine qui devrait faire le move inter. Pour l'instant, on a fait une belle ouverture hein, pour le joueur des Queen Walker. Il faudrait que maintenant, voilà, la reine fasse le move intérieur et ne reparte pas sur l'extérieur. Je pense que c'est l'objectif hein, de Utah, c'est que la reine revienne dans le compartiment interne. Mais pour l'instant, c'est mal engagé. Il envoie le super sapeur. C'est les Yetis qui vont aller faire le travail à l'intérieur du village. Pendant ce temps-là, les Yetis font tomber la statue du Warden, font tomber quelques bâtiments. Le Molosse qui n'est absolument pas problématique pour la reine, puisqu'il est très très loin, ce qui permet à la reine d'avancer en toute sécurité, en toute sérénité dans la base. Le géant qui attend quelques canons pour que la reine continue son travail inter du compartiment. Allez, on est déjà 50% de destruction sur le Queen Charge en 1 minute 22 pour le joueur des Queen Walker. Le sort d'orage qui vient d'être mis, le sort de poison, ce qui fait qu'on va neutraliser le Molosse dans quelques secondes. Allez, la gargouille pour faire tomber les roquettes de lave. La reine qui va pouvoir continuer son travail. On a des pop ici. J'ai pas vu avec quoi on a des pop, tiens, à l'ouest. J'ai absolument pas vu avec quoi il a des pop, le joueur des Queen Walker. Ah, il y avait des super gobes. Ok, il a des pop avec des super gobes. Nouveau sort de rage pour préserver la reine. Là, clairement, il fait un gros, gros queen charge hein, parce qu'il a que 17 ballons derrière, hein, le joueur des Queen Walker. C'est vraiment sa reine qui fait le travail hein, au niveau de la base. Les ballons qui viennent d'être envoyés pour aller chercher la scatter. La Kappa Warden qui vient d'être envoyée. Les Headhunter qui sont dedans pour neutraliser la championne défensive. Le Lalo qui se resserre. Le mini Lalo qui se resserre. On a la championne qui est dedans. La reine qui continue son travail de sap. Le Lalo qui continue d'avancer. On a trois sortes de gel pour le joueur des Queen Walker. Le premier qui vient d'être mis pour préserver les ballons avec l'HDV. Le deuxième qui est remis sur le TH et la cabane d'ouvriers pour préserver. On a la championne qui avance. Il nous reste un invi. On va pouvoir regeler encore. Cette fois, on gèle la cabane et la mono pour le joueur. Waouh! 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 C'est monstrueux.
C'est monstrueux. Et merci, Luffy, pour tes 5 subgifts. Les Queen Walker n'ont pas leur ticket pour les Worlds. Les Queen Walker n'ont pas leur ticket pour les Worlds. Si j'ai envie de dire Klaus, je dirais Klaus. Si j'ai envie de dire Bum, je dirais Bum. Hein, Vince? Ouais, tiens, je vais t'appeler Vince maintenant. Ils ont dû se qualifier les Queen Walker ou qualifier d'office. Il n'y a aucun qualifié d'office pour les Worlds. Allez, on a Nathan qui se lance. Nathan qui va nous faire un blizzard Lalo, le joueur des... Ah non, ça va pas être un blizzard, je pense pas. Si, il y a 4 avis. On va être sur un blizzard Lalo pour le joueur des Too Late. Allez, le blizzard qui vient d'être mis, le sort de rage. On a des Gen Scatter qui dégagent. On a un Arc-X qui dégage. Bon, allez, là par contre, on a des super sorciers qui vont dégager. Ouais, voilà, les super sorciers qui ont pris un petit peu la sauce. Est-ce qu'ils vont dépop la Tesla? Oui, ils ont dépop la Tesla. Le CDC défensif qui est tombé pour le joueur des Toulets. Et le CDC ouais, défensif qui est sorti. Voilà, là, on a la mini tour de sorcier qui a été dépop. L'ouverture super sapeur qui vient d'être faite. On va neutraliser le CDC défensif. Allez, le sort de poison qui vient d'être mis à l'instant. Ouais, c'est bien, Vince. Ouais, c'est bien, Vince. Ça me plaît bien de t'appeler Vince, en fait. Allez, la reine qui va rentrer maintenant, qui va coulisser dans le compartiment de la... dans le compartiment de la... de l'HDV, on a le multimortier qui est occupé à s'occuper du géant. La capa du roi qui vient d'être clippée pour faire tomber la championne défensive ainsi que la TDE multi. Est-ce que la multi va tomber? Oui, la multi tombe. On dépop la tour d'archer. La reine qui fait le bon move à venir inter. On avait mis un super sapeur au cas où pour refaire coulisser la reine derrière. Le Lalo qui part maintenant à 6h. On a un Lalo qui n'est pas très large puisqu'on a envoyé la championne ici chercher la tour de sorcier. La capa du Warden qui vient d'être mis. Les Headhunters, attention, les Headhunters qui vont mettre beaucoup de temps à faire tomber le roi. Ce qui va laisser la reine bah, mourir avec les ballons. On a une reine qui travaille toujours là pour le joueur des Too Late. Allez, le Lalo qui avance, la championne qui va venir chercher la mono. On a tout, on a plus de capa championne. Le sort de gel qui vient d'être mis. Nouveau 3 étoiles pour les Too Late. J'en peux plus, je vais vomir, je heureux. Pourquoi ça fatigue de commenter? Oh, le beau perf de Nathan. Le perf de Nathan est très joli aussi. Hein. Franchement, il démérite franchement pas pour l'instant les Too Late. Hein. Certes, ils ont 2 étoiles de retard après 4 attaques, il en reste une de chaque côté. Les Queen Walker qui sont bien partis pour faire le perf map. Mais les Queen Walker, les Too Late qui franchement déméritent pas. Parce que regardez, vous avez le 99% de Darkstar. Vous avez le 97% de Agoz. Mais certes, les Too Late sont derrière au time. Les Too Late sont derrière au time. Mais, on a quand même une très très belle première manche de cette finale entre les Queen Walker et les Too Late. Un bug de co, une perte de co, oui, c'est clair. C'est clair, une perte de co peut tout changer, c'est clair. Moi, c'est Vince et Koi qui me fait les quoi qui me fatiguent. Mais dommage, parce que franchement, c'est pas payé. Ils annoncent de l'orage en Allemagne en plus. Bah, ça tombe bien, les Queen Walker, ils sont au Japon, Nico. Donc il peut y avoir de l'orage en Allemagne. Je pense que les Queen Walker, ils en ont rien à carrer de l'orage en Allemagne. Je pense. Allez, on a Kazuma. Kazuma qui se lance sur la base de Darkstar, justement, pour la dernière attaque des Queen Walker. Et on va être sur un AQH Kylie pour le joueur des Queen Walker. Salut Guigui.
Ethan. Allez, le Queen Walk qui, le Queen Charge qui est en train de partir pour le joueur des Queen Walker. Allez, la reine qui fait le move pour aller sur la droite. Voilà, on va dépop quelques pièges aériens pour le joueur des Queen Walker pour Kazuma. Ah pardon, Kazuma. Excusez-moi, puisqu'on est sur les prononciations, mais en japonais, ça se dit Kazuma. Allez, la reine qui va faire tomber l'HDV. On frise l'HDV et l'ouvrier pour surtout protéger aussi les guérisseuses. Hein, pour le joueur des Queen Walker. Allez, la reine qui s'engage dans le corps du village, dans le sort de poison. On met le sort d'invisibilité pour protéger la reine. Le sort de rage pour la revitaliser, la remettre en forme et lui donner un petit peu plus de DPS que ce qu'elle ne pourrait avoir si elle n'était pas dedans. Pour l'instant, le sort de poison qui vient d'être terminé. Du coup, on freeze la mono pour le joueur des Queen Walker. On a le Minoc qui part à midi. Le roi et la caserne qui ont été posés pour tanker. Une reine qui va continuer son travail. Tous les sorts de squelettiques qui sont en train de sortir juste à côté de la scatter, ce qui va faire perdre quand même pas mal de temps aux mineurs, même si là c'est bien neutralisé. La reine qui continue d'avancer, le CDC défensif qui vient de sortir avec les deux super gargouilles. On a mis le premier sort de soin, il n'y en reste plus qu'un et un sort de rage malheureusement. Alors là, on a le commando qui est en train de speed pas mal. La capa du roi qui vient d'être envoyée, on va aller chercher... Non, on va pas aller chercher le roi défensif pour le joueur des Queen Walker. La capa du Warden qui vient d'être envoyée seulement maintenant. Il nous reste encore un sort de rage à disposition pour le joueur des Queen Walker. On a une reine qui est très, très safe sur l'attaque. Elle va pouvoir progresser. On a toujours une capa championne, on a toujours... Ce sort de rage pour le joueur des Queen Walker qui va être mis maintenant pour aller chercher cette scatter justement avec les cochons et les mineurs. Le Dyson qui se déclenche, la championne qui n'est pas dans la range du Dyson. La championne sous sort de rage qui est en train de faire un carnage. Et je vous annonce le perf map pour les Queen Walker. Oh, il est large en plus en 2 minutes 26. Perf map pour les Queen Walker sur ce... Sur cette première manche. Ah, le Minog, il est bien large là. Hein. Le Minog, il est très large, il est très propre. Bon, perf map des Queen Walker. Je tiens à rappeler, hein, le score ne reflète pas. Ce qu'ont fait les too late, hein, parce que je rappelle le 97% d'Agos, je rappelle le 99% de Dark Star, c'est pas payé en fait pour l'instant pour les too late. Est-ce que Kairos va sauver l'honneur et aller chercher les 13 étoiles sur les bases des Queen Walker? Réponse dans maintenant à peu près 30 secondes, puisqu'il peut lancer son attaque à partir de maintenant. On va voir ce que ça va y donner. Une Walker et Tribe valent pas nos MCES. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, non. Salut Paolo. Allez, Kairos qui va nous faire un AQHCDD, le joueur des Too Late. Le Blim qui va venir secure l'HDV. À l'intérieur, on doit avoir des super gobes. Hein, je les vois pas, mais à la façon dont ça tombe, oui, c'est des super gobes. Le Queen Charge qui vient de partir pour le joueur des Too Late. Le sort de rage qui vient d'être mis. On met le sort de poison maintenant. Les archers qui vont passer l'arme à gauche très très vite. Le bébé drac qui vient d'être envoyé à 2 heures pour faire le clean. Le ballon qui va dépop le mortier ou pas. Le ballon qui n'a pas encore des pop, le mortier. La reine qui va bien coulisser dans le compartiment de... Allez, 2 open CB ou pas. Voilà, si, l'open CB qui vient d'être bien faite avec la scatter qui a des pop le super sap. La reine qui vient de perdre un peu de temps avec les pièges skull. Allez, ça avance plutôt bien pour Kairos en ce moment. On envoie le roi. Ah, la reine qui fait le move exter. Oh, la reine qui fait le mauvais move. La reine qui fait le mauvais move pour Kairos. Oh là là, la QH qui est en sueur pour Kairos. On gèle l'Arkix, on gèle la mono. Mais là, on a clairement la QH qui va être en sueur avec la scatter maintenant avec l'Arkix. On a réussi à préserver la capa de la reine pour l'instant, pour le joueur des Too Late.
Allez, la championne qui fait son travail. On n'a toujours pas envoyé les CDD hein, pour le joueur des Too Late. On a envoyé le Warden en support, de la, en support de, du roi pour faire le plus gros dégât. On a un CDD qui est en train de clean sur l'extérieur pour recentrer tout le monde. On dispatch, hein, les CDD qui ne seront pas groupés. Regardez, on est en train, de regrouper tout. On met un sort de rage pour essayer de revitaliser l'arène comme on peut. La championne qui travaille toujours. Le sort de saut qui vient d'être mis. Oh, quelle est belle cette attaque de Kairos. Quelle est belle. Elle mérite d'aller au pair cette attaque tellement elle a été bien faite. Parce que là, clairement, il est sur un plan B, Kairos. Hein. Il est sur un plan B, mais pour l'instant, ça va pas passer, malheureusement, pour le joueur des Too Late. Je pense que ça va être compliqué, parce que là, on a quand même les CDD qui prennent tarif avec la défense entière. Il y a les ballons qui vont essayer de dépop. Ça ne passera malheureusement pas pour Kairos. Mais beau recovery, parce que clairement, la reine devait pas aller là où... devait pas aller là où elle était. Dommage. Dommage pour Kairos parce que là, c'est pas payé. C'est vraiment, vraiment pas payé. Dites-moi dans le chat, vous voulez voir quel replay? Quel replay vous voulez voir pendant les 13 minutes d'attente que l'on va avoir? Il n'y avait plus de pile dans la télécommande de la QH, dommage. Alors, ça sera des perfs, Guigui. À Gauze, il a pas perf. Hein. La hausse. La Minog. Ok. Donc, victoire des Queen Walker. 15 à 12. La prédit, je vais la payer, vous inquiétez pas. GG à la team, GG à la team Queen Walker hein, qui remporte la prédiction et je vais lancer la suivante. Voilà. Et commencer la prédit. Il va remporter le second match et vous allez avoir 10 minutes. Hop. Commencez la prédiction. Alors, chez les Queen Walker, vous voulez voir qui? On parle de Klaus. Depuis quand il s'est attaqué, Gigi Fender? Depuis quand il s'est attaqué, Gigi Fender? Selon moi, quelle est la meilleure équipe? Mais quelle meilleure équipe sur quoi? Sur où? Sur qui? C'est... Alors par contre, je vais attendre qu'il relance la guerre pour être tranquille. On va attendre qu'il relance la guerre, les amis des Queen Walker et des Too Late. À Klaus, je pense qu'il a fait un rico de dingue, en fait. Il a fait un rico de dingue. Je pense que, perso, moi, je vous commenterai bien l'attaque de Klaus. Meilleure équipe, c'est aussi. Ça dépend des moments, ça dépend du match, ça dépend des équipes qu'ils rencontrent, ça dépend de la chance qu'ils peuvent avoir. Voilà. Oui, c'est encore Queen Walker contre Too Late, c'est la deuxième manche. On est sur un BO3. Pour que l'équipe remporte la finale, il faut qu'une équipe remporte deux matchs. À partir du moment où tu gagnes deux matchs, tu gagneras la finale. Vous relancez dans 5 minutes, Sigurd. Putain, vous faites chier, j'ai envie de dormir, moi. Merde. Alors, pour les Queen Walker, vous voulez donc le Rico de Klaus. Ok. Et pour les Too Late, quelle attaque voulez-vous? Sachant que, si on regarde la carte, qui a perf chez les Too Late? On a Nathan et on a Nikita. C'est le staff qui demande qu'on attend. Ok, pas de soucis, démo. Pas de soucis.
Je vais juste regarder vite fait que je me remémore l'attaque. J'en ai vu pas mal. Juste me remémorer l'attaque. Ok. Ok, d'accord. Ok, je me remémore, je revois l'attaque. Ok, je revois l'attaque. Non, non, mais il n'y a pas de problème, Sigurd. Pas de soucis. Pas de sous. Le recovery de Kairos, franchement, était propre. Alors, par contre, en attendant, je vais relancer le bot pour les scores. Okay. Vince, tu sais me le faire, s'il te plaît, dans la room. Je sais plus si tu as accès. Non, je vais le faire, j'en ai pas. Bah, si, en plus, tu as accès. Commande. Merci Vince. Merci beaucoup. Du coup, je vais faire ça. Primer le salon. Primer. Voilà. Et là, bah forcément, il est pas content, le bot. Capture de fenêtre. Je vais juste vous reconfigurer le bot. Pour avoir les accès, c'est où? Et là, du coup, hop, voilà. Et voilà, ah, coucou, ça c'est ma souris. Hop, ça c'est all good. J'ai peut-être arrêté de capturer le curseur, ça sera mieux. Voilà, comme ça, vous avez plus le curseur qui passe à travers. Donc, on se dit quoi? On se dit Nathan. Salut Alonso. On se dit Nathan et on se dit Klaus. On y va comme ça. Allez, une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Vous voulez voir Nikita? Ah, il y a manqué de réussite. Bon, ben moi, je vais déjà prendre celle de Klaus. Hein. On va déjà prendre celle de Klaus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais basculer. Hop. Basculer. Normalement, ma cam est désactivée. Voilà, c'est parfait. On switch deux micros. Comme ça, c'est parfait. Je me suis trompé sur la prédit des Olivins. Menteur, Nico! Menteur! Et en plus, c'est un mytho! Allez, on va se mettre en place. Je vais venir ici, là. Tac, mon clan. Journal de guerre. Détail. Voilà. On va venir ici sur le match. Ouais, vous avez glissé, c'est bizarre. C'est bizarre que vous ayez glissé, les gars. Ici, on fait ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi sur le chat si vous m'entendez bien. Allez, on va commencer avec la. L'attaque du joueur des Queen Walker, comme ça on me reprendra plus sur son pseudo. Hein. Visionnage 1. Et on va se mettre en pause. Et j'en profite pour arriver ici. Si, bonsoir tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas le mode météo, bienvenue sur le mode météo. Donc on va en profiter de ces 13 minutes de pause pour regarder une attaque de chaque côté, une attaque des Queen Walker et... une attaque des Too Late for Cyber. Alors les Too Late, on n'a pas encore décidé. Je pense que on va voir si ça sera Nikita ou Nathan. Sachant que j'ai revu le replay de Nathan, donc on va pouvoir. Parce que j'aime bien aussi me souvenir de l'attaque, hein, juste pour bien expliquer. Mais là, en attendant, ben, on va regarder le Rico de Klaus, hein, le joueur des Queen Walker sur la base. Non, c'est pas le Rico de Klaus, pardon. C'est pas Klaus qui a fait un Rico. Est-ce que vous voulez voir le Rico ou est-ce que vous voulez voir Klaus? Dites-moi. Dites-moi juste. Je prends 2 minutes supplémentaires. Est-ce que vous voulez voir Klaus ou... Parce que pour moi, Klaus, c'est pas un Rico. Si, enfin, si, c'est un Rico quand même. C'est un petit Rico. Si, c'est un Rico quand même.
Mais il y a l'autre, il y a l'autre, hein. C'est pas Utah, c'est Stars, hein. Stars qui a fait un... Stars qui a fait un sacré rico, hein, parce que pour le coup, Stars, il perf en faisant un blimp à 3%. Hein. Allez, on va se faire... je pense qu'on va plutôt se faire Stars. On va plutôt se faire Stars parce que je trouve que le rico est nettement plus beau que celui de Klaus. On va se faire le rico de Stars. Allez. Voilà, le rico de Stars. Alors, j'ai mis en pause. Je vais me mettre ici. Donc, pour expliquer, hein, ceux qui ne me connaissent pas, attaque en mode météo, je vais vous expliquer au cœur du village ce qui s'est passé durant l'attaque. Donc là, celle-là, je la mémorise très bien parce que franchement, elle était assez exceptionnelle. On va partir. Donc là, on est sur une base qui est un petit peu symétrique. Donc, on a les options de faire. L'objectif, pour expliquer le contexte, le joueur va faire partir son blimp ici. Le blimp va partir, il va envoyer donc son molosse sur la défense anti-aérienne ici, quelques ballons pour permettre de dépop éventuellement les pièges, et le blimp qui va avancer. Le blimp, il devait venir là. Le blimp, il devait venir ici pour venir chercher la scatter, sortir le CDC et faire du carnage ici. Sauf que vous allez voir, le blimp, il va pas arriver là. Il va faire un blimp, un blizzard pour aller chercher 3% sur la base. Voilà, là on le voit, on le voit, ça commence, hein, il reste deux, ta, 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 voilà. Là, on commence. Donc, il envoie bien son molosse, il envoie bien ses ballons pour des pop ici. Le blizzard qui passe, sauf que là, bah, il y a un problème. Il y a la chasse d'eau, il y a le Dyson. Le Dyson qui fait tourner ici le blimp. Du coup, il envoie quand même son blizzard, le joueur des Queen Walker. Mais là où il est quand même assez intelligent, c'est qu'il va utiliser ici que deux sorts d'invis dans sa compo pour permettre de faire quand même le nettoyage minimum. Mais là, à partir de ce moment-là, il est en recovery, le joueur. Il est en rico. Il avait prévu de venir à minima dans ce compartiment ici parce que son blizzard, s'il venait dans le compartiment ici, il venait chercher la scatter, il venait chercher l'arc-x ici. Il pouvait potentiellement neutraliser le CDC et il faisait le clean qu'il a fait là. Sauf qu'il n'est pas tombé dans le bon compartiment. Ce qui fait que maintenant, ben il était un peu dans la sauce, le joueur, mais franchement, il s'est pas démonté. Il s'est calmé. Il s'est calmé, il s'est pas démonté, il est parti sur son plan B. Voilà, ça, il l'avait dans la tête. S'il y a le Dyson, patati. Ces joueurs-là, ils ont absolument tout dans leur tête. Une reine qui neutralise le CDC défensif. Du coup, on passe en mode rico pour aller plus facilement. On clean ici. Là, on clean là. C'est... Alors, déjà, on le voit, hein, sur son attaque, il y a vraiment tout qui se passe mal parce que, regardez, il a envoyé ici son golem de glace qui devait venir tanker la TDE multi ici. Sauf que c'est la reine qui se fait pré-shot par le golem de glace. Donc, du coup, bim, on claque un invis pour le joueur des Queen Walker. Le roi qui fait, lui, pour l'instant, un très joli travail, qui va venir chercher la reine défensive. La reine qui continue à prendre la sauce avec cette TDE multi. Boum! On reclaque encore un nouveau sort de speed. Mais pendant ce temps-là, on est en lalo. L'HDV, elle n'est pas encore activée. Il fait son travail, il fait un beau clean. La championne qui a été envoyée pour nettoyer absolument tout ce compartiment qui était à peu près safe. On a une reine qui continue d'avancer, travailler et qui au final va venir chercher ce qui était prévu dans le blizzard par le joueur. Et du coup, là, le joueur, on le voit, il part sur un lalo qui est un peu plus étendu que ce que je pense, que ce qui était prévu, je pense. Et surtout, regardez, il garde ici 10 loons. Il a 10 loons aussi ici pour pouvoir venir chercher cet hôtel de ville. Hein. Il n'a pas le choix de venir la chercher avec son lalo puisqu'il a déjà sa championne qui est ici et qui va commencer à faire un petit peu le tour. Il a son warden qui est par ici qui va servir à la capa pour faire avancer. Mais là, il ne se démonte pas, le joueur. On freeze la mono, la championne qui arrive qui va faire tomber la mono. Là, du coup, la multi qui va pas tarder à la TDE, la GV qui va pas tarder à se déclencher parce qu'on arrive au 50%. Et là, il a envoyé des ballons supplémentaires qui forcément se sont recentrés ici puisque là, le commando principal de l'alo avec Lynn. Du coup, la GV est secure. La championne, elle est partie rechercher le commando de l'alo pour faire le clean. Le sort de rage qui fait le travail. Et après, c'est une formalité. Regardez, vous avez tout le lalo qui se resserre parce qu'après, il a remis ses grappes de ballon un peu partout sur la base. Et on a après tout le commando qui avance ici pour venir chercher le 3 étoiles. Franchement, un recovery qui est très, très propre sur son attaque. Il n'y a absolument rien à dire dans ce qu'il a fait. Le joueur des Queen Walker, la Stars, il est,
Il s'est pas démonté, il a fait un blizzard à 3%, mais les 97 autres, franchement, il y a été cherché, il a été les chercher à l'intelligence et à la maîtrise de ses troupes. Hein. Allez, on va regarder une attaque des... Je vais regarder combien de temps il reste. 40 minutes, on a 3 minutes. Donc là, l'attaque... hop. On va se faire une attaque journal de guerre, ici. Et on va se faire l'attaque de Nathan. Et on va speed up. Allez, on va regarder l'attaque de Nathan. Hop, me voici. Allez, attaque de Nathan qui nous a fait un blizzard lalo pour le joueur des Too Late. Bon, des bases où franchement, moi, je voudrais pas y mettre les pieds. Hein. Donc là, on part sur un blizzard. L'objectif du joueur, ça va être de venir clean absolument tout ce carré-là avec son blizzard. Donc le blim qui vient de partir, le blim qui va dépop juste là entre l'Arc-X et la Scatter, ce qui va permettre à ces super sorciers de venir chercher la Scatter, de venir chercher l'Arc-X. On dépop ici la tour d'archer qui va commencer à être bien abîmée et on va vraiment chercher... tout ce compartiment défensif. Pendant ce temps-là, il fait son clean ici, au niveau de la tour de sorcier en mode rapide pour la dépop. Une ouverture super sapeur qui, en théorie, sert à rien puisqu'on a une ouverture, mais ça va permettre d'élargir l'ouverture au niveau du compartiment pour permettre à la reine de coulisser derrière. Une reine qui va venir faire tout ce parcours-là, qui va venir chercher absolument tout ça. Là, on vient couper... La trajectoire potentielle de la reine avec le roi qui lui va venir chercher ici tout ce compartiment ici. Il va venir là, le roi. Il va venir chercher la réserve, il va venir chercher la T2 multi, il va venir chercher la championne défensive. Pendant ce temps-là, elle, la reine, continue à travailler. On protège toujours la reine avec le géant ici pour tanker de la Tesla. On le voit, le roi qui travaille, qui vient chercher la championne, qui vient chercher la TDE. Il dépop cette tour d'archer avec des ballons pendant que le roi est en train de s'occuper de la championne et de la T2 multi. Ça va permettre d'éviter que le roi revienne ici pour repartir derrière. Une reine qui a fait le bon move pour rentrer dans le compartiment là. Et cette reine qui va venir chercher l'HDV. Et derrière, on a un départ Lalo qui se fait vraiment totalement à l'opposé pendant que la reine elle est là en train de gérer le TH. Une championne qui est ici pour couper les quelques bâtiments défensifs qui étaient toujours en vie pour que le Lalo se resserre. L'objectif clairement du joueur, c'est qu'ici, le Lalo se resserre. On a mis une Kappa Warden avec les Headhunters, un sort de rage pour faire tomber cette reine défensive. La championne, elle, qui maintenant se reroute sur cette TDE, des sorts d'invisibilité pour protéger de la mono. Le Lalo qui continue de progresser et après, c'est une simple formalité. Les joueurs qui gèrent quand même trois phases d'attaque bien distinctes dans leur technique. On a d'abord le Blizzard qui est ici, qui se gère tout seul. On envoie la partie Suicide Roux à l'opposé et derrière, il gère son Lalo en même temps. Donc, il y a quand même du skill, il y a quand même de la maîtrise de la compo pour le joueur avec cette attaque qui est franchement très, très propre et un très, très joli perf. J'aurais bien voulu vous montrer l'attaque de Darkstar, mais malheureusement, elle n'a pas fait 3 étoiles, donc je ne peux pas vous la montrer. Et on verra après sur le deuxième match si jamais il arrive à aller chercher ce perf qui lui manque et ce manque de réussite qu'il a eu sur le premier match. Et quand tu veux, tu me permets de détecter ma caméra, le Stream Deck. T'as la technologie. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Allez, nous revoici. On va aller voir le match qui va commencer et qui, j'espère, n'a pas commencé encore parce que sinon, je vais me faire engueuler. Allez, si, on a Agos qui se lance. Voilà, on arrive juste sur le départ de l'attaque d'Agos. Allez, le départ de l'attaque d'Agos qui attaque la base de Kazuma et Agos qui va nous faire un suicide, un KS Lalo. Allez, la Kappa du roi, la championne, pour venir chercher le compartiment de la Scatter. On est toujours sur la même stratégie. Les super barbares ici pour dépop les bâtiments externes et permettre à la reine de rentrer dans le compartiment du TH. La championne qui vient d'être dépop à l'instant. Le roi qui vient de tomber là il y a quelques fractions de seconde. Le sort d'invi qui vient d'être mis pour que la championne aille chercher la Scatter. Le freeze sur l'Arc-X pour éviter que la reine ne prenne trop de dégâts. Pendant ce temps-là, il est en train de se regen un petit peu. Dès que la reine va arriver au niveau du TH, il va activer la Kappa pour que la reine tombe. Et on a le Lalo qui part maintenant.
Allez, on envoie quelques grappes de ballon pour le joueur. Une première partie Lalo qui va venir chercher l'aigle artilleur avec le soutien du Warden. Derrière, on va venir couper ici au niveau de la TDE multi pour le joueur des Too Late. Allez, le molosse qui parle à Kappa du Warden qui vient d'être mis. On met le sort de rage pour l'instant, le Lalo qui continue d'avancer. Voilà, on commence à couper avec les bâtiments défensifs pour que le commando principal reste en place. On met les Lalo pour bien les ballons pour bien couper cette défense et éviter que les ballons ne se splittent. Là, même si là, on se split un petit peu au niveau de l'antière. Il y a le broyeur qui déclenche le Dyson pour le joueur des Too Late. Allez, on a toujours le broyeur de pierre qui dépop maintenant. L'Arkix sans sol qui va pas faire de mal. On a encore pas mal de ballons. On a un CDD. Il reste une minute. On est plutôt l'argentan. Ah là, la dernière anti-aérienne qui tombe. Et là, on va être sur le 3 étoiles pour Agos sur ce deuxième match où c'est les Too Late for Saver qui ouvrent le bal. Pas dommage, on efface Propu maintenant pour les ballons, mais c'est pas grave. Il reste 46 secondes pour, il reste 46 secondes pour Agos. Allez, le souffleur, le super qui vient d'être move. Le CDD qui dépop la cabane d'ouvriers, ce qui va permettre d'avoir les ballons qui vont aller chercher les derniers bâtiments plus rapidement que prévu. Et on a le perf en 2 minutes 37 pour Agos sur cette attaque. Il a plus de ballons à la fin qu'au début. Ah, la belle attaque d'Agos. Franchement, très très belle attaque d'Agos. Très propre. Très très propre ce qu'il vient de nous faire. Allez, les Too Late qui ouvrent le match. Avec cette fois un perf. Par rapport au premier match, ils ouvrent le banc, le bal avec un perf. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher la victoire? Tiens, j'ai pas regardé la prédit. Ça donne quoi la prédit? Ah, cette fois, vous donnez 4. Oula, il y a 67 000 points sur les Queen Walker et 12 800 sur les Too Late. Ok, vous donnez les Queen Walker favoris sur ce match. Franchement, solide. Franchement, solide ce qu'il vient de faire. Après, j'ai pas vu le début de l'attaque. Je suis arrivé, ça avait déjà commencé. Je vais juste regarder vite fait. Ouais, il a fait un Scully au départ. J'avais pas vu le Scully. Hein. J'avais pas vu le Scully, on est arrivé, il avait déjà déployé. Donc ouais, il a fait un beau Scully juste avant. Ça change quand la T2 tombe. Ah ben clairement, oui, quand la T2 tombe, ouais, ça fait du bien. Merci pour le contenu GCC, c'est un plaisir de te voir stream, on se dit à la saison prochaine. Avec grand plaisir, Roule Tali. Avec grand plaisir. J'ai payé les Queen Walker, ils vont lâcher cette manche pour l'après-dit. Allez, on a Stars qui se lance sur Nikita 2. Allez, Stars qui va nous faire un... Il nous fait un blizzard, il va nous faire un blizzard, je pense. Il va nous faire un blizzard, on a 4 invi. Ah non, même pas. Même pas. Les 4. Si, ça y est. Voilà. Il a un vim. Ah, ok. Voilà, il nous fait bien un blizzard. Il nous fait bien un blizzard, le joueur des Queen Walker. Ok, il nous fait un blizzard à 6%. Ok. Ça fait cher le TH quand même. Hein. Ça fait cher le TH, un blizzard à 6%. Hein. Allez, le CDC défensif qui est en train de sortir pour le joueur des Queen Walker. Maintenant, il part en KS Lalo. Allez, la reine qui avance. L'invi qui vient d'être mis justement pour protéger la reine. Les pièges Skull qui sont en train de partir. Je ne sais pas où. Allez, du coup, les pièges de Skull qui reviennent. Bon, bah, faut savoir ce qu'on veut, les gars. Hein. On y va pas, on revient pas. Allez, la reine qui va maintenant les neutraliser. La licorne qui regen et qui évite à la reine de perdre son point de vie. On envoie maintenant le géant pour dépop les Tesla.
les ballons qui vont faire tomber le premier canon. La Tesla avec les ballons. Pour l'instant, le clean est très bien. Fait attention, il reste 1 minute 27 hein, pour le joueur des Queen Walker. Le roi qui vient d'être envoyé à 9h. L'arc-kick se sol qui va focus la reine. On invite la reine. Le CD, la deuxième partie du CDC défensif qui est en train de sortir pour le joueur des Queen Walker. On a le roi qui va venir chercher la scatter. La reine qui continue d'avancer. Regardez la reine, comment elle est en train de se regen pour le joueur des Queen Walker. La championne défensive qui va tomber. On a le molosse qui est en train de sortir maintenant. Allez, championne contre roi. Le Lalo qui vient de partir pour le joueur des Queen Walker. Allez, le gel sur la deuxième multi. Le roi qui passe l'arme à gauche. La championne et la reine qui sont toujours en train de se battre avec le CDC défensif. La Kappa Warden qui vient d'être envoyée pour le joueur des Queen Walker. Allez, ça se dispatche un peu. Ça dépop pas mal de bombes rouges pour le joueur des Queen Walker. Par contre, le Lalo là qui prend un petit peu cher. Il reste 18 secondes. Ça ne passera pas. Ouh, ça. Beau petit fail, ça, pour Stars. Il reste 12... Non, ça peut pas passer. Non, dites-moi pas que ça passe, quand même. Non, ça passe pas. Ça passe pas. C'est le fail time pour Stars. C'est le fail time à 98% pour le joueur des Queen Walker. Bah, son Lalo, il avait pas besoin de 3 minutes. Hein. Son Lalo, il avait pas besoin de 3 minutes. Il lui manquait une seconde. Une seconde. Ça passe, la défense passe. Donc, point positif. Au moins, sur ce match-là, les Too Late ne prendront pas un perf map. Les Too Late ne prendront pas un perf map sur cette guerre. Et on a maintenant Darkstar qui se lance. Allez, Darkstar qui se lance sur la base de Utah. Darkstar qui va nous faire un KS Lalo. Non, il va nous faire un... Ah, j'aurais vu... Non, il n'y a pas de skull. Il y a un sort de skull pour distraire des bâtiments défensifs. Le clean qui a été fait. Le suicide héros qui est en train de partir sur le compartiment de l'Aigle-Artilleur. Bah, tout dépend. Il y aura un autre match si les Too Late s'imposent. Allez, le lance-bûche qui vient d'être envoyé. Le golem de glace qui protège la reine pour l'instant. 15 à 13 pour la première manche. Victoire perf map des Queen Walker. Enfin. Allez, la reine qui est en train de neutraliser le roi défensif. On a le lance-bûche qui est bien parti. On a en plus la TDE multi qui va. Elle est pixel, la TDE. Merci l'ouvrier. C'est pas grave, les Yeti qui vont quand même venir la chercher. On envoie la Kappa Reine. Il est en train de faire une attaque Darkstar. On a mis le sort de Skull pour distraire la Scatter. La Scatter qui vient de tomber. On envoie la Kappa Championne. La Reine qui est en train de neutraliser la fin du CDC défensif. On va mettre le sort de poison dans quelques secondes pour le joueur des Too Late. Il a fait... Alors on a l'impression qu'il a rasé quasiment toute la map. Mais en fait, il est pour l'instant à 40% de destruction. Mais une très très belle première partie d'attaque, un très très beau suicide héros de la part du joueur des Too Late. On envoie maintenant le Lalo face HDV. La reine qui continue son travail, la reine qui va pas tarder à mourir avec cette TDE mono. Il va sacrifier la reine. Voilà, la reine qui vient de mourir à l'instant. Le Lalo qui se resserre sur l'HDV, le Dyson qui se déclenche. La Kappa Warden qui va être clippée dans quelques secondes pour le joueur. Voilà, par contre on a quand même pas mal de ballons qui étaient hors Kappa. Allez, le Lalo qui avance, on met les sorts de speed. Est-ce que les Too Late sont en train de nous faire ce qu'il faut pour aller chercher cette deuxième manche? Pour l'instant, oui, il reste 52 secondes et Monsieur Darkstar va pouvoir troll un sort d'invi et un sort de speed sur la base de Utah. Superbe. Darkstar, superbe. Ce qui nous a fait là... L'attaque est magnifique. Magnifique. Pour l'instant, double perf pour les Too Late.
Une attaque 2 étoiles pour les Queen Walker. Pour l'instant, ce sont les Too Late qui ont l'avantage face aux Queen Walker dans cette deuxième manche. Je vous rappelle, il faut, pour gagner cette finale de la GCC Gothic Division, gagner 2 matchs. Pour l'instant, avantage aux Queen Walker puisqu'ils ont gagné la première manche. Ballotage favorable pour les Too Late pour l'instant, après leur deuxième attaque, puisqu'ils sont à 2 perfs, là où les Queen Walker sur la première attaque n'ont réalisé qu'un 2 étoiles. Allez, on va avoir... Ah, il y a quelqu'un qui vient de réserver la base de Klaus. Ils m'ont coûté cher pour l'après-dit. En tout cas, très beau match. Très très beau match entre les deux équipes. Il y a du suspense, il y a des belles attaques. Et on va attendre l'attaque des Queen Walker maintenant avec Gaku qui se lance. Allez. Waouh, Gaku qui a pas envie de se faire chier. Gaku qui va faire un SB smash. Un super bowler smash. Il a vraiment pas envie de se faire chier. Voilà, il est parti sur un super bowler smash, le joueur des Queen Walker. Allez, le Warden ou Walk. Là, l'objectif clairement du joueur, c'est cet Eglar Tear. Voilà, le Warden, il doit venir chercher l'Eglar Tear sur la première partie du Warden Walk. Allez, on a un blim pour venir chercher le TH un peu plus tard, à moins qu'il décide de changer. Pour l'instant, le Warden qui fait le travail. On a l'électrochouette qui l'aide bien. On rappelle le Warden maintenant. Allez, voilà, le Warden est rappelé, l'ouverture super sap, le roi qui va faire le clean. Les super bowlers qui sont envoyés pour le joueur des Queen Walker. La capa du roi qui va peut-être être clippée. Non, ça va, les sorcières qui vont faire le travail pour éviter aux super bowlistes d'avoir... l'idée de s'en aller à l'extérieur du village. Mais pour l'instant, tout est en train de rentrer dans le corps du village. La capa Warden qui va être utilisée dans quelques secondes pour protéger le blimp. Voilà, la capa Warden qui vient d'être clippée à l'instant. Les petites bombes rouges qui sont en train d'avancer. En plus, on a le sweeper qui est tombé. L'HDV qui va passer l'arme à gauche dans quelques secondes. Ah, ça met du temps à tomber. Hein. Ça met du temps à tomber pour le joueur des Queen Walker. Même si là, les super gobs sont de sortie, voilà, les super gobs qui ont fait tomber l'HDV, les boulistes qui sont en train de faire le travail, qui sont en train de partir à exter. Attention, ça rentre dans le compartiment de la scatter, la championne qui travaille très très bien exter. On a mis un sort de skull pour distraire les défenses à l'extérieur et permettre à la championne de faire son travail pour l'instant. Il reste 2 sorts de gel, ça va être le 3 étoiles pour Gaku. Voilà, quand vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous faites un SB smash et ça passe tout seul, hein. Ça passe tout seul. Voilà, ça passe bien. C'est voilà, c'est de la bonne gestion et il passe large. Hein. Il passe large, le joueur des Queen Walker. Il passe très large. Waouh. Allez, 6 à 5. 0,4% d'écart. Et en termes de time... on est en avance pour les Too Late face aux Queen Walker, puisqu'on a 4 secondes de moins en moyenne d'attaque. Voilà la définition de j'ai pas envie de me faire chier en fait. Mais en tout cas, belle attaque. Belle attaque de la part de Gaku sur ce SB Smash. Ça va et toi, Allemand ? En tout cas, merci à tous. Hein. On est 260, il est 1h30 du matin, quoi. Vous êtes insane, les mecs. Oui, c'est du 5v5, Zeus. Non, Gaku, il a plutôt dit « Il est tôt, je suis en retard pour aller au boulot, donc je vais jouer ma compo rush. » Voilà, parce qu'au Japon, il est 8h30 du matin, en fait. J'aime pas trop les super boubou, mais c'était beau à voir. Bah, vu joué par un joueur lambda, c'est moche, le super bowler. Mais joué par des gens comme ça, c'est propre. Allez, on a Nikita qui se lance. Allez, Nikita qui doit reclaquer un perf pour permettre au... Ah ben Nikita, c'est pareil. Voilà, Nikita,
il y en a marre, j'ai envie d'aller me coucher, je vais faire aussi un Super Bowlers match. Et comme ça, on n'en parle plus. Hein. Allez, ça sera pas un Super Bowlers match, ça sera un AQH. Allez, le Blink qui va venir chercher le TH pour le joueur des... Des Too Late, le sort d'orage qui vient d'être mis, les Yeti qui sortent, on envoie le sort d'invie, ça fait tomber le TH. Voilà, reine qui en sueur, la reine qui en sueur pour Nikita là. Voilà, la reine maintenant qui... Voilà, la reine qui va pouvoir avancer maintenant. On a envoyé le Warden en soutien pour le joueur des Too Late, mais attention, on a les guérisseuses qui prennent un peu la sauce là. Allez, les Super Bowlers qui viennent de partir. On a fait l'ouverture Super Sapper. Le roi et les sorcières qui vont faire le clean. Là, on a dessiné un beau couloir hein, pour le joueur. On va avoir un départ championne, je pense, quelque part par ici. Si je dis pas de conneries, je ne l'ai pas vu poser la championne pour l'instant. Allez, on a une reine qui va dans le bon compartiment. Le compartiment où est LTH qui va lui permettre de venir chercher de chaque côté de ce couloir ici. Et non, la championne qui part finalement un peu plus haut pour couper. Allez, le sort de rage qui vient d'être mis sur les Super Bowlers. La Kappa Warden qui a toujours pas été activée. La reine qui avance. La reine qui avance, qui n'a plus de guérisseuse, qui est dans le Dyson. Elle tourne en rond. Elle sait plus comment elle s'appelle ni où elle habite. En plus, les deux TDE qui sont pas walkable. On n'a toujours pas mis la Kappa Warden. Hein, pour le joueur des Too Late, nouveau sort de rage. Attention à cette multi qui va rester debout pour le joueur des Too Late. Allez, les Super Bowlers qui sont en train de venir. Est-ce que ça va? C'est la championne qui vient la chercher. Ça va refaire un tour. Allez, hop, on refait un tour. La Kappa championne qui est toujours là. Le sort de gel sur la multi. Les Super Bowlers qui travaillent. La Kappa championne qui vient d'être envoyée. La multi qui malheureusement va pas tomber, je pense, pour le joueur des Too Late. Il reste 57 secondes. La championne qui travaille. Le Warden qui tank. Les Super Bowlers qui vont tanker aussi. C'est le perf pour Nikita. Ouf, elle est jolie cette attaque. Oh, elle est propre, elle est bien maîtrisée. Il y a une prise de risque quand même, mais franchement, très très belle attaque de la part de Nikita. Ça fait chier, je vais pas pouvoir aller me coucher, mais cool si on peut avoir un troisième match entre ces deux équipes. Ah ouais, non, là, c'est beau. C'est beau, l'attaque est propre. Moi, je la trouve propre, l'attaque. Ils se sont réveillés, les Too Late, quand ils ont su leur code sur l'après-lit. Je suis pas convaincu sur le premier match que les Too Late ont eu besoin de se réveiller. Hein. Je vous rappelle que sur le premier match, les Too Late ont manqué de réussite, hein. 97% de Agos, Darkstar qui fait 99%, Keros qui fait un Rico. Ouais, non, moi je trouve pas. Alors je suis pas un joueur e-sport et je suis pas fort Zeus. Loin de là. Par contre, je sais analyser les villages et je sais voir ce qui va se passer. Par contre, tu me diras, Guigui, d'où il vient le recovery, hein. Il me dira d'où il vient le recovery, Guigui. Que là, si ça, c'est un Rico... Keros a fait un beau Rico, clairement. Keros a fait un beau Rico tout à l'heure. Keros a fait... Le problème, c'est que je vois ce qu'ils vont faire, mais je ne sais pas faire ce qu'ils font. Il est là, l'écart. Allez, on a Kazuma qui se lance sur la base de Nathan. Ok. Allez, on va être en super sorcière pour Kazuma. Bon, les Queen Walker, ils ont pas envie de se faire chier. Hein. Du Super Bowler Smash, de la Super Sorcière Smash. Ok. Allez, on a zappé une TD pour le joueur des Queen Walker. Ah, tu parlais de Keros. Ok, d'accord, Guigui. Ok, autant pour moi. Allez, la Scatter qui fait la Scatter. La cata d'esprit qui fait le travail à 3h. Le Warden Wall qui est en train de faire le clean. Donc là, clairement, on va partir de midi pour le joueur des Queen Walker. Là, il va partir sur une grande largeur au niveau de ses super sorcières, le joueur des Queen Walker. Ah, par contre,
peut-être un appel un peu tôt du Warden avec les super sorcières. Il aurait pu faire tomber le multimortier. Allez, le roi qui fait le clean, les Oscars qui sont en train de sortir, qui vont venir chercher le roi défensif, le golem de glace qui va tanker les défenses. Pas les bonnes, malheureusement. Mais on a les troupes qui sont quand même sous guérisseuse. Une super sorcière sous guérie, c'est increvable. Pour l'instant, la scatter qui est en train de faire le travail. On a envoyé les archers pour faire le clean et les sorciers pour le joueur. Attention, pour l'instant, on n'a aucune super sorcière qui est rentrée. Attention à ce que les super sorcières fassent le bon move. Pour l'instant, les super sorcières qui n'ont pas fait le move. On a mis un sort de saut pour permettre de venir chercher l'HDV pour le joueur des Queen Walker. L'Arkix qui tombe au bon moment. La capa du roi qui vient d'être envoyée. La capa Warden qui va être clippée maintenant. La capa Warden qui est clippée maintenant. Le golem de glace qui vient. Le golem de glace offensif, qui vient seulement de pop pour le joueur des Queen Walker. Il reste une minute. La super sorcière, c'est très très efficace, mais c'est très très long à avancer. Mais on le voit, ça avance. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore sur de la super sorcière. Regardez, il n'a même pas clippé la capa Warden encore, le joueur des Queen Walker. Il a même pas clippé la capa Warden. Allez, le sort de rage qui vient d'être mis à l'instant. Les super sorcières qui sont toujours sur rage. On envoie seulement la championne. La capa Warden qui part seulement maintenant pour le joueur des Queen Walker. Oh là 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 là, il est en train de le rincer. Allez, le Dyson qui s'est déclenché à proximité du TH qui est tombé depuis tout à l'heure. Les super sorcières qui continuent à travailler. La championne qui fait son travail. On a les pièges de squelettique qui retardent un petit peu quand même. Il reste 17 secondes. La capa championne qui vient d'être envoyée. Et c'est le 3 étoiles pour les Queen Walker. 9 à 8, toujours une étoile d'avance pour les Too Late. Je vous rappelle que les Queen Walker ne pourront pas faire perf map puisqu'ils ont fait un fail sur la première attaque à 97%. Un petit fail à 97%. Mais pour l'instant, les Too Late for Cyber qui sont devant. Les Queen Walker sur ce match, vous voyez juste au-dessus, hein, avec toujours ces 0,4% d'écart, forcément, puisqu'on se répond de perf à perf depuis les deuxièmes attaques. Donc là, maintenant, les Too Late, faut pas craquer. Faut pas qu'ils craquent maintenant, les Too Late. Faut qu'ils continuent à assurer. Assurer, c'est tellement facile d'assurer un 3 étoiles sur Clash of Clans. C'est tellement simple que là, clairement, les Too Late, ils doivent faire le job d'aller chercher encore les 2-3 étoiles manquants pour pouvoir gagner ce deuxième match face au Queen Walker et avoir la belle. Et on a maintenant Keros qui se lance sur la base de Stars et Keros qui va nous faire un Queen Charge Lalo pour le joueur des Too Late for Cyber. Salut ZDFR. Allez, Keros qui est en train de se lancer. La Scatter. On a une gargouille qui est en train de travailler à 3 heures. Donc là, on a le roi. Le roi qui va rentrer ici. Le roi qui va rentrer ici. La reine qui va s'engager. Mais le roi qui devrait rentrer dans le compartiment de la scatter pour venir la faire tomber. Pour l'instant, on a la cata d'esprit qui est en train de travailler derrière la reine pour venir faire le clean ici maintenant. La reine, en plus, qui focus l'Arkix. Donc, qui est vraiment pas problématique pour la scatter. Le roi qui vient justement d'être envoyé pour le joueur. Attention à la reine. Attention à la reine. Voilà, la reine qui vient faire le travail. Le roi qui va pouvoir rentrer chercher ici la tour d'archer. Il ne pourra pas partir exter. La reine qui continue. Attention à la cabane d'auto ici qui pourrait être à la fin peut-être problématique. La capa du roi qui vient d'être mis. On a Freeze là. On a Freeze la scatter et la championne défensive. Je vous l'avais dit qu'il allait envoyer le roi ici pour venir chercher la scatter. Pour l'instant, la scatter qui n'est pas encore tombée. Hein, pour Keros, la scatter qui ne veut pas tomber pour le joueur des Too Late. Attention, la reine, elle a 2 TDE. Elle a les roquettes de lave. Elle a un canon sur le buffet. La capa de la reine qui vient de partir. La championne qui du coup est sortie pour venir chercher ici le compartiment de la scatter. Allez, la championne qui travaille bien. On va venir chercher la multi. La reine qui fait un move pour venir exter. On a la catapulte qui travaille toujours ici. La cata d'esprit qui travaille très très bien. Je pense qu'il va geler, la multi dans quelques secondes pour peut-être préserver. Là, faut qu'il préserve sa reine. Non, il préfère geler la mono. La multi qui tombe avec la,
avec la Scatter. Pour l'instant, ça fait un gros travail. On a la partie Lalo qui est en train de partir pour le joueur des Too Late. On est déjà à 52% de réduction. Voilà, c'est les soldes. 52% de réduction sur la base de Stars. Ah, dommage, le Lalo qui se déploie pour qui s'écarte pour le joueur des Too Late. Le TH qui va tomber, oui ou non? Oui, le TH qui va tomber. La reine qui est tombée, malheureusement. On a plus de deux héros pour le joueur des Too Late. Et maintenant, on va aller chercher, on va aller chercher du clean. Hein. La championne a été utilisée. Ah, dommage, pour Kairos, ça ne veut pas passer. Ah, dommage, ça ne veut pas passer pour Kairos. Et en plus, on va pas avoir un pourcentage oufissime. Hein. On va taper un petit 85. Pourquoi il a troll l'invi? Alors qu'il aurait peut-être pu aller chercher la mono qui était mid-life. Je pense que là, Kairos, il est énervé. Sur son attaque pour avoir troll l'invi, alors qu'il aurait peut-être pu venir chercher la multi. Et on est à 81% de destruction. Rien n'est fait, les gars. Rien n'est fait. Hein. Pourquoi vous dites fin du game? Pour l'instant, ok, ça remet potentiellement les équipes à égalité. On va voir ce que ça va donner. Alors certes, si les Queen Walker viennent à faire un perf, vous l'avez juste au-dessus avec les stats, ils seraient devant avec quasiment 3% d'avance, mais... Merci, Kronos. Ah, mais c'est pas Tourcoing eSport, mais là, Tourcoing eSport, ils ont fait le time sur la première base, Shoka. Hein. Ils ont fait le time sur la première base, donc oui, certes, c'est pas Tourcoing eSport, mais ah, ils ont pas fermé la première attaque, donc rien n'est fait. Allez, on est parti justement avec la base avec l'attaque de Klaus. Sur Kairos. Et on va être sur un KS Lalo. Allez, on fait le clean. Le bébé drag, le roi, la reine. Le roi qui va venir ici. La reine qui va rentrer ici. Voilà, le golem de glace qui vient d'être envoyé. Le roi qui va venir chercher les deux Arc-X qui peut potentiellement monter jusqu'à l'aigle artilleur. La reine qui, elle, va venir chercher la scatter et la reine défensive. On envoie la championne en soutien pour le joueur des Queen Walker. On met le Skull ici pour distraire justement cet Arc-X et éviter que la championne, par exemple, ne prenne tarif. Le roi qui est venu redonner un petit peu de soutien à la reine. La reine qui, pour l'instant, n'avance pas. Le CDC défensif qui est en train d'être neutralisé avec le... Hein, pourquoi elle saute pas les troupes Allez, la multi qui est en train de prendre un petit peu tarif. La capa de la reine qui a été envoyée. La multi qui va tomber dans quelques secondes avec le Super Loon. Ça dépop énormément de pièges pour le joueur des Queen Walker. Par contre, là, on a la sorcière. Allez, on a remis un sort de poison pour le joueur. Là. Alors, la reine est tombée. La championne est tombée. Le roi est tombé. Là, je vous explique pas la tronche du Lalo qu'il doit faire pour aller fermer la base, le joueur des Queen Walker. Allez, le Lalo qui va se resserrer. On frise la mono, on frise l'HDV. Allez, est-ce que le Lalo va faire comme d'habitude, n'en faire qu'à sa tête? Ou est-ce qu'ils vont pas aller chercher le TH, la capa du Warden qui vient d'être mis? Le TH qui devrait tomber maintenant. C'est chose faite avec une fin de capa, un Dyson. Un Dyson, une fin de capa, ça veut dire que les ballons vont pas passer. Les ballons qui prennent le sort de poison. Il a mis un sort de soin, le joueur des Queen Walker, pour justement anticiper et pré-shot le Dyson. Mais ça passe. Ah non, j'ai dit une connerie, ça passe. Hein. Je disais ça va pas passer, mais au final, ouais, voilà, ça passe. Comment on peut imaginer? Comment on peut imaginer, quand il envoie son Lalo à 30% de destruction, qu'il va faire 70% de destruction et qu'il va troll un sort à la fin de l'attaque? Comment on peut s'en douter? Sans déconner. Comment on peut... Enfin,
C'est... On n'a pas les mêmes ballons, on n'a pas les mêmes héros, on n'a pas les mêmes... On n'a pas le même jeu, en fait. On n'a pas le même jeu. C'est... Waouh. Alors, les Golden Tickets, il y a la X-Team, il y a les Tribe Gaming et il y a les MS eSports qui sont pour l'instant qualifiés pour les championnats du monde. Sachant que là, il n'y a pas un Golden Ticket. Hein. C'est un tournoi, on ne peut plus... Standard sans Golden Ticket. Hein. Ah non, mais non, Sigurd, on ne peut pas l'imaginer qui va faire ça. Enfin, ah, mais j'en perds mes mots, mais les gars, comment vous pouvez vous imaginer qu'à 29% de destruction, en envoyant ses 24 ballons, il va raser la base? Déjà, le sort de soin, juste derrière l'HDV en disant « Les gars, le Dyson, il est là. Hein. Vous inquiétez pas, le piège à tornade, il est là. Je vais mettre mon soin. » Non, mais... Oh, je peux en faire Zeus si tu veux. C'est simple, le mec s'appelle Klaus. Ouais. Allez, on est parti avec l'attaque de Nathan. Allez, Nathan qui doit pas se relâcher. Hein. Pour l'instant, on est à 11 partout. Certes, vous le voyez juste au-dessus, les Kun Walker qui ont repris l'avantage au pourcentage, mais on est à égalité. Et on a Nathan qui va nous faire un AQHCDD. Allez, l'Arkix qui est des pop. On dépop encore quelques pièges. Il va permettre au ballon d'affaiblir au moins la scatter. Le roi qui va venir chercher tout le compartiment ici externe. Et ce qu'on voit, hein, c'est que ces joueurs-là, ils n'hésitent pas à sacrifier quelques emplacements dans les camps pour mettre des troupes de clean et vraiment bien orientées. Et c'est le secret de leur attaque. Hein. C'est vraiment ces troupes de clean que nous ne mettons pas ou ne voulons pas mettre dans nos compos. Et c'est ce qui permet de vraiment très très bien nettoyer la base. Le CDC défensif qui est en train d'être neutralisé par le joueur des Too Late. La championne qui va venir chercher 7 TDE ici. Qui va venir chercher, je pense, après le propu. Le roi défensif qui pour l'instant ne tombe pas. Allez, on va avoir un sort de skull pour après distraire les bâtiments défensifs. La championne qui avance plutôt bien. La reine qui tape du mur. Pour l'instant, il n'y a rien de surprenant dans l'attaque. Le Dyson est en plus qui est déclenché. Le deuxième propu qui vient d'être déclenché. Le deuxième propu qui a été cassé par la championne. Et on a maintenant la partie CDD qui vient de partir à midi pour aller chercher directement le compartiment de l'aigle artilleur. La multi qui va, je pense, subir peut-être... Non, c'est là, c'est le roi qui prend les sorts de skull. La multi, elle les prend aussi, ce qui permet de protéger les troupes. Le sort de rage sur la reine pour protéger du poison de la GV. Mais pour l'instant, là, sa reine n'y va pas. Sa reine y va maintenant. Du coup, il frise la reine défensive et sa reine va s'en occuper. Le CDD qui fait tomber la multi... Allez, la reine défensive qui va tomber, il reste 46 secondes. Hein. Il reste 46 secondes pour le joueur des Too Late. Le sort de gel qui vient d'être mis sur la scatter. On pré-shot le sort de rage. Les CDD qui pour l'instant font pas le bon move. Hein. Les CDD qui pour l'instant font pas le bon move pour Nathan. Allez, la reine qui est toujours là, va falloir clipper la cape à reine, mon grand. Allez, la scatter qui tombe. Là, c'est la cape à reine qui peut le sauver. Hein. C'est la cape à reine qui peut le sauver. La caparène qui vient d'être mise maintenant. Et c'est le 3 étoiles pour les Too Late avec cette attaque de Nathan. Il reste 12 secondes, 4% de destruction à aller chercher. Les sorts de skull qui viennent de tomber. La reine qui fait le travail. Oh putain, 6 secondes, 5 secondes. Oh non, le piège de skull de 99. Oh non. Bah ouais, Joe la patate, ça devait être les 3 étoiles. Tu le savais, Joe la patate, qu'il y avait le piège squelettique ici et qu'allait faire foirer l'attaque. Tu le savais? Non. Non. Donc, étant builder, oui. Ah. Excuse-moi, Jojo. Excuse-moi. Builder dans quelle structure? Villeneuve d'As Building? Salut, Barça!
Putain, mais pas verni les Too Late, bordel! Mais vraiment pas de réussite! Et on a Yuta qui se lance maintenant sur Darkstar! Tellement prévisible que les Queen Walk piègent toujours un compartiment de squelette. Ouais, comme beaucoup, hein! Allez, on est parti avec Yuta. Yuta qui joue très bien son. Il joue très bien son AQH et qui tempo très très tard le premier âge pour le joueur. On est sur un Queen Charge mobile. Allez, le roi qui fait le clean, ce qui va permettre à la reine de s'engouffrer dans le centre de l'HD du village. La cata d'esprit qui fait le travail à l'extérieur. Par contre, j'ai pas vu dans quelle structure t'étais, Jojo. Dans quelle structure de Bill? Allez, la capa du roi qui va aller chercher la... Qui va pas aller chercher la mono! Allez, sort de rage qui vient d'être mis. On dépop l'Aiglartilleur. La mono qui tombe. Allez, la QH qui fait un gros, gros travail du joueur des Queen Walker. Allez, la reine qui dépop le CDC défensif, la multi qui va passer l'arme à gauche dans quelques secondes, la reine qui va pouvoir aller chercher le TH, les guérisseuses qui commencent à prendre un petit peu la sauce, Yuta qui tempo le gel. Voilà, il le pré-shot maintenant, pré-shot gel. Alors par contre, les ouvriers qui n'ont pas été freeze, les guérisseuses qui viennent de passer à trépas, mais bon, on a quand même fait déjà 50% de la base. La championne défensive qui n'est pas tombée. La caparène qui vient d'être clippée maintenant. Le Dyson. Et il n'y a plus de reine pour le joueur des Queen Walker. Mais ça ne devrait pas être problématique, je pense. Voilà, la championne qui joue au ball trap hein, quand même. La championne qui joue au ball trap. Hein. Et sa championne offensive qui est quasiment... Mais qui est au bout de sa vie. Ouh, ça peut passer. Ça va passer parce que là, le sort de gel qui fait très mal sur la scatter. La scatter qui fait aussi quand même très mal sur les ballons. Mais il y aura suffisamment des ballons. Quoique, ça perd en ballon. Mais ça va passer, la scatter qui tombe. Les troupes de clean qui font le travail. Il n'y a plus aucune défense capable de contrer les ballons restants. Et ça va être le 3 étoiles pour les Queen Walker. Il reste 25 secondes. Il reste 9%, 7% à aller chercher maintenant. Les Queen Walker qui vont passer devant les Too Late. Sur cette dernière attaque. Et qui vont donc s'imposer face aux Too Late. Qui, honnêtement, on peut se le dire. On va se le dire. Honnêtement, là, les Too Late qui n'ont absolument pas eu de réussite dans les deux matchs. Qu'on se le dise. On ne peut vraiment pas dire que les Too Late ont démérité sur cette finale. Clairement. Parce qu'ils ont fait le travail. Hein, ils ont fait le travail. Ils n'ont pas eu de réussite. Voilà, ils ont fait du bon boulot. Ils ont pas eu ce petit quelque chose qui fait que ça passe du 99 au 100%. Voilà, ce piège de Skull à la fin de l'attaque où on devait aller aux 3 étoiles, mais où apparemment des builders hyper intelligents et super professionnels savaient très bien que ça allait faire un 99% à cause du piège Skull. Mais en tout cas, là, clairement, les Too Late n'ont absolument pas démérité sur ce match. Gros GG aux Queen Walker, hein, qui ont fait un gros match, hein, parce qu'on est quand même sur un perf map sur le premier match. Là, on est sur un 14 étoiles avec 99,6%. Pas de connerie. 99,6% de destruction. Donc, puis bon, jusqu'à preuve du contraire, je connais pas Vanguard Gaming. Je connais pas. Ça joue en quoi? Ça joue en Allemagne?
Je ne sais pas qui Kazuma a remplacé. J'arrive pas à me souvenir qui Kazuma a remplacé. Que Stars, Gaku, Yuta, Klaus. Ouais, ok. Kazuma, je me souviens pas. Mais en tout cas, c'était très très beau. Ah, Strada. Exact, Foster. Stadra. Tout à fait. Il l'a remplacé. Non, il avait pas envie de jouer en fait. Mais en tout cas, très très beau match des Toulède qui, honnêtement, ne déméritent pas sur cette finale. Ils montrent qu'ils ont quand même un certain niveau, même face à des équipes comme les Queen Walker. Moi, je suis désolé. Ce petit brin de réussite fait qu'ils auraient pu se retrouver de l'autre côté et que ça soit eux qui remportent cette Gothic Division. Voilà, le destin en a voulu autrement, le sort en a voulu autrement, et les builds en ont voulu autrement. Les dieux du build n'étaient pas avec les Too Late aujourd'hui. Très, très belle performance et surtout très, très belle victoire de la part des Queen Walker. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci au community manager et à la Global Clash Cup pour la surprise de l'in-game. Je m'y attendais absolument pas. On a été quasiment 300 sur le live. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une très très bonne nuit, hein. Il est quasiment 2 plombes du matin, donc bonne nuit à ceux qui vont aller dormir, bonne journée ou bon matin pour les Québécois ou ceux qui vivent en expat en Asie, parce que je pense qu'il y en a à cette heure-ci. Et puis moi je vais vous donner rendez-vous probablement demain soir pour mes dernières attaques légendes avant les vacances, ça sera à partir de 20h ici sur ma chaîne Twitch. En attendant, je vous souhaite une agréable nuit, bonne journée pour ceux qui sont du côté ouest et bon matin pour ceux qui sont du côté est, donc les Asiatiques, et bon après-midi pour ceux qui sont du côté ouest, côté Québec, États-Unis, puisque nous sommes dans l'après-midi là-bas. Et moi je vous dis très très bonne nuit pour les Frenchies de France, françaises de Tourcoing, et je vous donne rendez-vous demain pour mes attaques légendes. Ciao, ciao. Et bien sûr, je vais payer la prédit, ne vous inquiétez pas.